Imaginé et construit par Louis XIV, à partir du petit pavillon de chasse de son père, le château de Versailles est en ébullition. Car dans un instant, de l'orangerie à la galerie des glaces, des grandes écuries aux appartements du roi, la musique va investir le château. Invités dès l'origine à mettre Versailles en musique, les musiciens d'aujourd'hui vont faire revivre pour nous les musiques de Louis XIV, le roi danseur et guitariste, de Louis XV et de Louis XVI. Alors ouvrons les portes du château. Suivons Madame de Pompadour et Marie-Antoinette et partons pour un voyage unique à travers deux siècles de musique au château de Versailles. Thank you.